L'effet est immédiat dans les centres de vaccination. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait hier qu'il n'y avait plus le temps d'attendre pour la dose de rappel du vaccin. Après 5 mois après la dernière, elle sera ouverte à toute la population dès ce week-end et elle sera obligatoire pour avoir le pass sanitaire à partir du 15 décembre chez les plus de 65 ans et à partir du 15 janvier chez les plus de 18 ans. Effet immédiat donc comme à Pessac, près de Bordeaux, Marie Sainz pour RMC. Toute la journée, à l'accueil, cette bénévole a répété la même question. C'est une troisième injection, monsieur ? Oui. C'est une troisième injection ? Hier, les créneaux libres ont été pris d'assaut et beaucoup ont tenté leur chance sans rendez-vous. Marianne Lafitte est la médecin responsable du centre. Je crois qu'on a eu l'annonce vers 12h30. 13h30, on avait la queue jusqu'à la porte d'entrée, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de juillet. On a eu à peu près 150 personnes sans rendez-vous pour des rappels. Hein, donc vraiment, là, une demande très forte. Maë, par exemple, ne voulait pas attendre. Elle est infirmière. J'avais rendez-vous début décembre. Ça aurait fait 8 mois que j'avais fait ma dose. Et en entendant les annonces ce matin, j'ai vu que j'allais perdre mon pass vaccinal. Donc j'ai vite pris rendez-vous pour l'avoir là. Pareil pour Nadia, 38 ans, et Xavier, 55 ans. Ils ont trouvé des créneaux le matin pour le soir. Avant que tout le monde se rue dessus et que je me retrouve en fait, à devoir attendre pour pouvoir faire la troisième dose. J'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont commencé à attraper le virus alors qu'ils étaient doublement vaccinés. C'est pour protéger tout le monde, quoi, moi-même et mon entourage proche également. Les pharmacies aussi sont très sollicitées. Hier après-midi à Bordeaux, beaucoup disaient écrouler sous les demandes de troisième dose.